Salut, salut, chers abonnés de ma chaîne, cliquez pour gagner. Comment vous allez? J'espère très bien. Alors, je remercie les 15 300 abonnés à cette chaîne YouTube. Merci. Et à tous ceux qui partagent la vidéo, à tous ceux qui aiment les vidéos, ceux qui donnent des dislikes, à ceux qui commentent aussi les vidéos. Merci beaucoup. C'est grâce à vous que notre chaîne est en train de, voilà, d'avancer. Alors, aujourd'hui, hein, ce n'est pas une vidéo spécifique sur un sujet en tant que tel, mais nous devons comprendre une chose, ce qui est très important en crypto-monnaie. En crypto-monnaie, chacun a son objectif. Quand vous rentrez en crypto-monnaie, vous devez vous fixer un objectif. Vous devez vous fixer un objectif. Le pourquoi je rentre. Et quand tu rentres dans quelque chose, tu dois aussi apprendre à sortir de la chose. Quand tu sortis, sortis après avoir eu gain de cause. Donc aujourd'hui, les gens rentrent dans les crypto-monnaies parce que Abalo est rentré, parce que Afi est rentré. Non, vous devez avoir un objectif, s'il vous plaît, bien précis. Cette vidéo, c'est juste une vidéo de 5 minutes, hein, juste. Alors, nous avons vu depuis 2 jours, hein, que, voilà, et Shiba a fait feu. On ne s'attendait même pas. Elle a fait feu. Regardez, elle est venue à la 9e place actuellement. Et les gens attendent ça à 1 dollar. Bam, comme j'ai dit, je n'ai pas la boule de cristal. Elle peut toutefois arriver, mais il faut reconnaître qu'elle a fait ce que elle s'est dit, dépasser le Dogecoin. C'est-à-dire que elle est venue tuer le Dogecoin. Donc c'est devenu une rivalité. Et actuellement, vous allez voir que la plupart des projets solides, ADA, Cardano, Solana et Dot, la plupart tous les projets solides sont en chute libre. Sont en chute libre. Et vous allez voir que la plupart, c'est voilà, les projets vraiment où, voilà, qui n'a pas vraiment une consolidation vraiment, qui sont en train d'émerger. Souvent, c'est ce qu'on appelle souvent les shitcoins, qui émergent. Et je suis sûr, je crois que beaucoup de personnes ont fait assez d'argent. Mais ne vous faites pas des illusions que vous êtes riche. Parce qu'en crypto-monnaie, on a l'argent quand on sort de la position. Parce que tout peut arriver à tout moment. Tu peux acheter une crypto-monnaie qui va monter 2000%, 4000%, 7000%. Mais si tu n'as pas d'objectif, si tu attends toujours, toujours et toujours, tu vas, et si on va divorcer vers Port Rabiola, tu vas voir ça en poussière devant toi. Donc il y a certains projets, quand vous rentrez, il faut savoir rentrer et sortir. C'est faire le trading, rentrer, sortir, augmenter votre peut-être capital en USDT ou bien en un stablecoin ou bien à la compter en Bitcoin ou bien en BNB. Tu te positionnes, tu rentres, quand ça monte, tu vends. Bon, en espérant, mais tu ne vends pas tout, bien sûr. Bon, peut-être ça peut encore toutefois exploser de plus. Tu prends la quantité peut-être en BNB, en stablecoin, tu remets l'or, ça descend, tu prends encore, et ainsi de suite. Mais il y a certains projets. Quand tu le fais ainsi, tu rates. Parce que quand le projet monte, c'est parti, tu ne peux plus racheter son même prix. Il y a ce risque. Il y a aussi certains projets, quand tu fais ça, tu achètes, tu vends, tu achètes. Et quand ça descend, tu vas encore acheter, ça descend, et ça s'enfonce au jour le jour. Donc, soyez bien précis selon vos objectifs en crypto-monnaie. C'est ce que j'ai dit souvent. En crypto-monnaie, espérez le meilleur. Et se préparer au pire. Parce que le pire peut arriver à tout moment. Il n'y a rien de garanti. La dernière fois, selon les informations, la Chine avait interdit les bitcoins. Ils sont en train de revoir une loi. Voilà, pour que les mineurs puissent revenir. L'Inde avait fait une loi de, voilà, de bannir tous les commerçants qui utilisent les crypto-monnaies comme moyen de paiement. Ils sont en train de faire une loi. Ils ont annulé cette loi-là. Je ne sais pas s'ils ont le, mais ils sont en train d'annuler. Pour vous dire simplement que tantôt, n'allez pas trop sur les rumeurs. Moi, ce que je vous conseille, d'aller sur votre objectif et dans l'objectif, l'innovation qui se trouve derrière le projet. Pour être cerné et faire un bon holding. Il y a certains crypto-monnaies qui sont bons pour le trading. Acheter, vendre, acheter, vendre. Il y a certains, si tu achètes, tu vends, après tu ne peux plus rentrer dans la même position. Donc vous devez analyser dans quel type de projet vous êtes. C'est très important. Alors, cette vidéo pour vous aider à cerner de plus en plus ce monde qui est un monde complexe.
Si tu n'es pas encore dans notre groupe, rentre dans notre groupe Telegram, cliquez pour gagner, où nous faisons beaucoup de discussions en ce sens-là. Merci et on se dit à la prochaine vidéo. Un j'aime à la vidéo. Ciao.